Coucou tout le monde. Today we're gonna try for the first time the flexi rod. Aujourd'hui, on va essayer pour la première fois d'utiliser le flexi rod pour avoir de curling. Voilà, à l'aide de l'eau, je vais spray sur mes cheveux afin de le démêler. Et after that, je viens prendre ma crème chez Amoster pour plus de définition et l'appliquer vers mes cheveux humides. Je l'applique très bien, je passe ma brosse. Après cela, je vais prendre mon bâtonnet qu'on appelle Flexi Rod. Je vais venir l'enrouler vers le bas. Voilà. Je l'enroule vers les racines. Simple. Et là, j'ai tout fait. Je ne pouvais pas montrer l'intégralité de la vidéo. Elle était vraiment super longue. Et à l'aide de mon chapeau à soie, je vais venir mettre tout cela au chaud afin que tout ce que j'ai mis ne part pas en cacahuète. Voilà. J'ai un peu eu du mal à mettre le bonnet, mais bon. Je suis prête à dormir. Là, j'étais vraiment trop excitée d'enrouler ce flexi rod pour voir le résultat malgré que mes cheveux étaient humides. Pour tous ceux-là qui vont se lancer, je vous conseillerais vraiment de vous assurer que vos cheveux sont bien secs afin d'avoir des résultats encore plus meilleurs. Et après cela, je tenais vraiment à remercier tous mes gens qui m'ont supporté, qui m'ont encouragé et félicité. Cela m'a vraiment fait énormément plaisir. Que mon Dieu vous bénisse. Et sans plus vous agacer avec mes blablabla, pour tous ceux qui sont nouveaux, nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à le partager avec vos amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye. Oups. J'ai vraiment omis de dire un élément important. Pour avoir de volume et séparer les cheveux, j'utilise l'huile qui m'aide à séparer ces cheveux, ces boucles pour ne pas les abîmer. Merci.